Hop, et on réouvre le micro. On est de retour. Alors, cette caméra, jamais bien placée, bien évidemment. Allez, ça ira. On va peut-être mettre. Hop! Et la lumière fut. Voilà, comme ça, on voit pas qu'il fait trop sombre. Voilà, plein écran, Shawari. Salut, Benny. T'as vu le message de Discord, tu es venu faire ta sieste. 1 km devant le stream. C'est ça, ouais. Pardon. Pardon, pardon. On va sûrement faire la découverte de Shawari. Je viens de voir ça sur Twitter. Comme quoi, les réseaux, c'est quand même pas trop trop mal. Il y a l'auteur de ce jeu-là qui vient de dire que c'était disponible en bêta. Donc, je me suis un petit peu précipité. C'est un jeu qui a l'air pas trop trop mal. Hein. Des questions de guildes marchandes à travers l'Oasis. D'influence, de recrues, de coups dans le dos. Enfin, ça a l'air assez complet. Ça a l'air plutôt pas mal. Alors, temps d'attente estimé 15 minutes. Ça, c'est dommage. Peut-être jouer solo pour voir un peu comment ça tourne en solo. Même si c'est pas. Ah, il n'y a pas le mode solo. Rien. 15 minutes, c'est un peu beaucoup. On va voir. On va voir si on trouve quelqu'un. J'aurais bien invité Benny, mais bon là, à mon avis, on est sur un jeu un petit peu plus plus. Je t'invite pour une découverte de Shawari directement. Je vais te perdre. Tu vas gamer, tu vas faire un peu de WoW cet après-midi quand même? Non, t'inquiète, je regarde, ça me va. C'est un moment que j'avais pas regardé ce qu'il y avait en bêta. Là versus Van Helsing. Je viens de finir mes journées sur Summoner Wars et là je vais aller ouvrir mon coffre sur WoW, je finirai sur Diablo. Yeah, c'est cool ça. Comme hier, écoute, quand j'ai fini le stream et la partie YouTube, si jamais t'es encore sur Diablo, peut-être que je viendrai gagner avec toi un petit peu. On a Knarr aussi qui est disponible sur BGA, ça c'est une bonne nouvelle, ça vient de sortir là aussi chez Bombix. Bombix qui nous a sorti Elawa, et là il nous sort Knarr un peu en ambiance viking. On a un tuto, non on a que des règles. Que des règles, c'est quoi ça? 14 minutes, complexité 2 sur 5, oh, ça a l'air simple. Hein. On ouvre les règles. Waouh, c'est de toute beauté ça. Pas qui c'est qui a illustré ça, mais c'est magnifique. Le viking, souvent un scandinave, se définit par une activité particulière, l'enrichissement en prenant la mer, ce qui inclut le pillage mais aussi le commerce. Nice. La règle en quelques minutes. Ça, c'est très bien le QR code. Très très bien. Recruter des vikings. Pour constituer votre bande, faites fortune en les envoyant à bord de votre bateau, le Knarr. Découvrir de nouveaux territoires, établissez des routes commerciales et parfois installez-vous durablement. En parallèle, améliorez votre renommée et faites résonner votre nom dans les champs héroïques pour gagner encore plus de points de victoire. Là, ce clat. Ok, donc on place un bateau. Alors, le tour de jeu. Je suis en même temps le dernier Français en lice à la Coupe du Monde d'échecs en 16e de finale. Oh, le fou, quoi. Il joue un jeu, il suit deux streams en même temps. Un dingue. J'imagine que sur les échecs, t'as peut-être pas besoin du son, toi. T'arrives tout à analyser de loin, quand même. Un renommé, deux actions. Donc, renommé, on gagne les points de victoire qui sont ascendants au dernier chiffre atteint sur la piste de renommée. Et deux actions, on a le choix entre deux actions, recruter ou explorer. Recruter en posant un viking de notre main, demandons-nous. La zone des équipages est divisée en 5 colonnes correspondant aux 5 couleurs de viking. Lorsque vous ajoutez un viking, vous devez le placer à la couleur correspondante.
Les Vikings de même couleur sont donc placés les uns sur les autres afin de ne garder que le haut de la carte précédente. Visible. Et deux, prenez le gain indiqué en haut de chaque carte de la colonne sur laquelle vous venez de poser le Viking. Oh, il y a une petite vibe Badara. Avec un cumul de. Ouais, on gagne les symboles, c'est pas le même symbole. Et 3, ajoutez à votre main le Viking situé sur l'emplacement du plateau de la même couleur que le Viking que vous venez de poser. Par exemple, si vous posez un Viking jaune, prenez la carte Viking située sur l'emplacement jaune du plateau. Ok. 4, révélez un nouveau Viking pour remplacer celui qui a été pris. Je regarderai le résumé de Blitzstream ce soir. Oui, le son est coupé côté échec, jette un coup d'œil de temps en temps, c'est une partie longue. Les règles des jeux sont stylées aussi, c'est pas juste du texte, je trouve ça cool et avenant. Mais enfin, alors ça dépend, il y en a qui restent austères, mais là on voit l'effort tout particulier pour nous proposer vraiment la petite campagne scandinave derrière. Enfin là, il y avait carrément même un peu la mer. Enfin, c'est très très joli, hein. Les bateaux, le design sur les bateaux, le plateau, le. Je sais pas qui est l'illustrateur, je vais aller regarder ça, mais c'est vraiment très 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 joli. Donc ça c'était recruter, enfin ouais, recruter un viking. Donc on pose un viking de notre main, on prend le gain indiqué sur toute la colonne, on ajoute à notre main un viking situé sur le emplacement de la même couleur, et on en révèle un nouveau. Ou alors on peut explorer, on choisit une carte à destination parmi les 6 visibles, on paye son coût d'exploration indiqué en haut à gauche, on défausse les vikings de notre main parmi ceux de notre zone d'équipage. Respectant le nombre et les couleurs demandées. On prend la carte de destination et on la pose au-dessus de notre bateau. On prend immédiatement les gains indiqués en haut à droite de la carte. Révéler une destination du même type pour remplacer celle qui a été prise. Faire du commerce. Ça a l'air original ce système. En ce moment là, il y a une grosse, grosse mouvance sur l'assemblage des symboles, la combinaison des symboles sur les jeux avec les cartes. On voit que les auteurs ils travaillent sur cette mécanique en permanence, c'est assez rigolo. C'est assez bien foutu. Une fois par tour, avant ou après votre action, vous pouvez dépenser vos bracelets pour obtenir les gains de vos cartes de destination. Ces gains sont représentés en haut de votre bateau et en bas des destinations. Choisissez si vous dépensez 1, 2 ou 3 bracelets ici, ok. En retirant de votre bateau le nombre de pions correspondant, puis prenez les gains. Un bracelet vous permet de prendre les gains de la première colonne. Deux bracelets, première, deuxième, trois bracelets, les trois colonnes. Ok. La fin de la partie est déclenchée quand l'un ou l'une d'entre vous atteint ou dépasse 40 points. Ok. Les gains, ça peut être donc gagner un point de victoire, gagner une recrue, gagner un bracelet en argent, gagner un point de renommée, pocher la première carte Viking, ou aller avec les artefacts. C'est un. Ouais, ça a l'air assez simple, ça. Enfin, ça, je pense que je peux faire la découverte à peu près en live sans trop de problèmes. Savoir X, c'est pareil, je viens de regarder la règle. Il n'y a pas eu de. La table n'est pas partie, on est d'accord. Hein. On est toujours en recherche, recherche d'adversaires estimée à 20 minutes. Edith Chess a commandé une publication sur le mur de Armiquan. C'est rigolo ça. Ah, bien joué, ok. Parce que j'ai gagné pour la première fois à Evergreen. Il est fort cet Eddy. Il est partout sur les réseaux. Ouais, Shawari, donc là, hop, si je prends la règle, pareil. Bon, là, c'est Miguel Coimbra, donc c'est assez connu, mais c'est pareil, c'est hyper joli. Par contre, les éditions Houdini, je connaissais pas du tout. Le jeu a l'air très qualitatif, mais voilà, là, moi, ce que j'aime, c'est ça, là. Donc, on a la première page avec le dessin. Hop, un petit texte d'ambiance, bien incrusté. La liste du matériel, elle est claire. Hop, on a un tout petit encart, très discret, donc on a encore du matériel, mais il nous explique que là, c'est pour le mode solo. C'est très bien fait, c'est discret. La mise en place des bandeaux, des chiffres, c'est clair. Enfin, franchement, c'est clair. Pour moi, ça paraît clair en tout cas. Moi, je vois déjà comment ça marche. Enfin, j'ai lu, c'était hyper clair. La mise en place en fonction du nombre de joueurs, qu'est-ce qu'on fait. Le résumé de la séquence du tour de jeu. Et après, le détail de chaque action avec des petits schémas, des petits dessins même. Enfin, c'est hyper aéré, c'est très très clair. Franchement, je trouve ça vraiment bien. Ça, j'ai envie de le tester celui-là. Miguel Coimbra. Et qu'est-ce qu'on a dit Knarr? Alors du coup on était sur Knarr. Je voulais voir Knarr. Knarr. Illustré par Antoine Carion. Eh bien je ne connais pas. Fait par Thomas Dupont, illustré par Antoine Carion, je ne connais pas. Publié chez Bombix.
Alors, les gens qui créent les pages de règles, c'est les développeurs des jeux ou les gens du site BGA. Non, là, c'est la règle officielle de l'éditeur. Au niveau de l'édition, pour en avoir fait un petit peu quand même, tu as la règle de l'auteur en général, qui est un Word, la plupart du temps. Et c'est l'éditeur en interne qui fait la première maquette, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire l'agencement des textes un peu. Et quand tu as le contenu et à peu près l'ordre dans lequel tu veux le mettre, tu l'envoies au graphiste qui va l'habiller. Il va faire le fond, il va faire le graphisme de base selon les indications, selon le thème. Et une fois que c'est fait, hop, on passe sur le travail de... Ben là, on finalise l'écriture, l'agencement, est-ce que tout va bien, l'ordre, on peaufine après. Donc soit c'est l'illustrateur qui fait tout, soit des fois il y a illustrateur et graphiste, ça m'est arrivé aussi. T'as l'illustrateur qui fait tous les designs du jeu, il va faire la couverture, il va faire les persos, etc. Et le graphiste, lui, va récupérer tous ces morceaux, il va les assembler, il va habiller avec des bandeaux, des choses comme ça qui reprennent un petit peu le même thème. C'est pas forcément l'illustrateur qui le fait tout le temps. Je vais essayer de lancer une partie à ça aussi. En attente estimée 15 minutes aussi. Incroyable. C'est les jeux en bêta, c'est plus compliqué de trouver du monde parce que bah, tout le monde va pas sur les jeux en bêta quoi. On a deux tables. Shawari, il a bien avancé son algorithme, mais bon. Knarr. Bon, ça c'est cool. Ok, on a lancé Shawari, on a lancé Knarr. Ouais, j'aimerais bien qu'il y en ait un des deux qui marche. Le jeu du jour sur BGA, donc j'ai pas regardé. C'est Dog Lover. Donc je sais pas de quoi il s'agit. Comme beaucoup de gens de la famille royale à votre voisin, les joueurs sont des amoureux des chiens qui partagent la joie d'avoir d'adorables toutous. Et tu comptes développer un jeu à toi un jour? Ah peut-être, j'ai fait plusieurs protos, tu le sais, donc j'ai jamais été jusqu'à l'édition, peut-être qu'à force j'arriverai à aller jusqu'à l'édition. Ouais. J'en ai un proto que je voudrais faire le graphisme en live, un de ces quatre là, sur Canva, pour voir si ça tourne. Mais ouais, c'est pas exclu, mais il faut que je trouve du temps, et le stream prend beaucoup de temps. Ça serait cool d'en avoir un sur BGA un jour, ah peut-être. On a le grand qui est à fond sur la programmation des jeux vidéo, donc il programme pas mal là sur Game Maker, Scratch, et il fait plein de choses. Donc bon là il débute, mais petit à petit, si un jour il apprend le Java, le C++, je sais pas sur quoi c'est fait, peut-être qu'il finira par programmer quelques jeux sur la plateforme. Ouais. C'est quoi? C'est publié par AEG ça? Il va faire travailler ses enfants, voilà. Mais non, s'il travaille, c'est qu'il a trouvé du travail en tant que programmeur. Un jeu où il faut récupérer des chiens, ça devrait t'intéresser, ça, Benny. Vous allez récupérer des cartes, collectionner des os, récolter de la nourriture pour vos adorables toutous. Vous allez les adopter au refuge, les entraîner pour apprendre de nouveaux tours et adorer leurs traits de caractère uniques. Le joueur qui s'occupera le mieux de ses chiens marquera le plus de points et gagnera la partie. Il n'y a pas de tutoriel. Que de la lecture de règles. Incroyable. Il y a des mugs. Il n'y a pas de mug dans celui-là. On a qu'en anglais, dis donc. English rules. Donc c'est le moment, c'est l'instant international du stream. In English, please. Alors, Dog Lover. Alors déjà, on est sur un design, bon, plus simpliste, hein, avec... Mais bon, tant que ça marche. Ok, 120 cartes. Un token de chien. Il y a des cubes quand même. Anatomie d'une carte, son type, son nom, le nombre d'empreintes de pas, le nombre de points de victoire, la capacité spéciale, son coût et le nombre de joueurs. Ok. Donc mise en place en fonction du nombre de joueurs, mélanger tout ça. De toute façon, sur BGA, c'est fait tout seul. Donc. À rien, donc on se retrouve avec une grille de cartes ici, une rivière de cartes comme ça, une rivière de cartes comme ça, la main de chaque joueur, les réserves et le carnet de score. Nous, la nôtre a nagé pour la première fois dans la rivière ce matin. Ça a l'air surprise quand elle a eu plus pied. L'instinct a fait le reste, et ouais, ok. Surveille les parties, mais ça part pas. Hein.
Alors, comment jouer? Donc le jeu se joue en plusieurs manches. Chaque joueur va prendre son tour en sens horaire, en commençant bien évidemment avec le premier joueur. Dans votre tour, vous devez retrouver une carte de la grille en utilisant un tour de votre chien, d'un des chiens que vous possédez. C'est marrant ça. Alors, au début de la partie, vous ne possédez simplement qu'un seul tour, mais au long de la partie, vous pouvez en avoir plus. À noter que vous n'utilisez jamais vos nouveaux tours. À la place, vous les gardez près de vous pour la partie et vous les utilisez encore et encore. Donc, inclinez votre chien pour... Pour pouvoir prendre la carte que vous voulez. You cannot mirror your trick card, only rotate and or shift. Ah, c'est visuel là. Il va falloir un exemple. Ah, j'avais pas vu ici. Ok. D'accord, donc sur le chien, il y a une espèce de tour qu'on peut leur apprendre qui est représenté par une forme. Là, c'est une colonne de 3. Donc ça veut dire que je peux récupérer, j'imagine, une carte dans cette colonne-là. Mais je peux aussi la tourner pour récupérer une carte dans cette ligne-là. Par contre, il me dit que je peux pas le faire au milieu. Parce que quand j'ai tourné ma carte, ça tombe sur le côté, elle est pas au milieu. Pourquoi? Je ne sais pas. Je peux faire ça, je peux pas faire ça. Je peux juste rotate or shift. Et coucou Dolmor, et bienvenue sur la chaîne. Comment ça va? On est en train de regarder la règle du jeu du jour sur BGA. Donc je vous rappelle, sur BGA, hop, ici, on est sur le Summer of Games, comme ils avaient fait l'an dernier, il me semble. Donc chaque jour, un jeu est révélé. Et aujourd'hui, c'est Dog Lover, un jeu de cartes. On récupère. On doit s'occuper de nos amis préférés, les chiens. Donc je suis en train de regarder la règle en anglais. Non, en fait, c'est par rapport à la position de la figurine sur le côté. Ah, tu connais le jeu, donc. La position ici. Je passe ma vie sur BGA, je connais le jeu. Nice. Écoute, bienvenue en tout cas. On en a quelques-uns comme ça, on a tout. Bah, tu dois connaître Togepi, j'imagine. Il est très très présent sur la plateforme aussi, enfin, du coup, parmi les viewers qui viennent nous voir. Ok, donc là on a une forme de Tetris. Effectivement, on peut la tourner pour récupérer ça ou ça. Ok. Le joueur d'après ne peut pas prendre sur la même ligne. D'accord. Alors, fin de la partie, lorsqu'on remplit la grille. S'il y a la carte fin qui est piochée, bah cela indique que c'est le dernier tour du jeu. On défausse la carte et ensuite on continue à remplir la grille avec les cartes du jeu. Qui reste, j'imagine. Blablabla. On a un carnet de score, on va marquer des points. Ok. Ok. Dim. Ouais, hésite pas du coup, Dolmor, si tu veux m'ajouter un ami, de jouer avec moi. Que ce soit en live ou pas en live d'ailleurs, il n'y a pas de souci. J'y suis assez souvent aussi sur Board Game Arena. Là, j'ai lancé Shawari et Knarr, qui me tentaient bien les deux là, mais bon, il n'y a pas grand monde pour jouer en bêta. On peut peut-être faire ça, hein, on peut jouer à ça si tu veux, hein, si toi tu connais, ça se joue à deux. Ouais, ça se joue à deux. Et BGA qui lag à mort là, ouais ouais. Alors moi ça va, mais il y a 2 jours je crois qu'ils ont eu des problèmes de serveur, on a eu quelques soucis.
On avait fait un petit terraforming Mars avant, mais à la place. Et merci pour le follow. Super sympa. Ça aide gravement la chaîne. Bon, je vais voir si là il y a plus de monde. Là, c'est pas embêtant. Hein. C'est rare hein, que ça parte pas comme ça. Alors après, si tu me dis que t'as du lag, il y a peut-être du coup d'autres personnes qui lag aussi. Peut-être pour ça que ça part pas. C'est quoi ton... je le refresh à chaque coup là. Ah ouais, mince. C'est quoi ton style de jeu favori du coup? Tu joues que à BGA ou tu joues aussi aux jeux en physique en vrai avec les copains? Et les copines bien sûr, bien évidemment. Voilà, c'est trois parties. On va attendre qu'il y en ait une qui parte quand même. Ba-da-dam, ta-da-dam. Regardez ça. Débutant, mais allez, allons regarder ça vite fait. On a quelque chose d'intéressant à regarder. Est-ce que je cache quelque chose avec ma cam? Non, je ne cache rien, donc tout va bien. Donc ça c'est le carré. Donc si j'ai bien compris, il y a une tuile de départ ici là, au milieu. Et après, si on va se déplacer sur ce truc là, pour récupérer des ressources. Gagner de l'influence, activer des cartes. Ouais, je pense qu'ils en sont au début. Ah, elle est en tour. Ouais, elle est pas en temps réel celle-là. Elle est en tour par tour, on va rien voir. Hop. Et cette partie. Ah, il m'a annulé toutes mes parties du coup. Oh là là, terrible. Je touche un peu à tout, mais surtout les jeux initiés. Potion Explosion, Lueur, Age of Civilization. Alors attends, IWW, je l'ai pas en initial. IWW. It's a Wonderful World. Ah, je crois que c'est ça. It's a Wonderful World. Yes, ouais. J'aime beaucoup. Mon premier KS, It's a Wonderful World. Mon premier KS. Bon, ça a tout annulé. Je peux pas regarder de partie. C'est vraiment très pénible. Tout qu'à 20 minutes, c'est bizarre. C'est assez bizarre. Evergreen, tu connais? Côté initié, on y est un peu dedans. Je suis même secrétaire d'une asso de jeux. Sur BGA, je joue surtout en tour par tour. Ok. Nous aussi, on fait partie d'une asso. Alors, je dis nous, parce que souvent, je stream avec ma femme, Lublinia. Tu reviens sur la chaîne, tu la verras. Là, elle est en vacances dans sa famille. On revient la semaine prochaine. Et du coup, on fait partie d'une asso de jeux aussi dans le village où on est assez actif. On organise un petit festival, enfin bref. On se fait plaisir. Mince. Je testais Evergreen lors de l'alpha sans trop lire les règles. Ok. Moi j'ai bien aimé Evergreen, donc moi j'avais joué à Photosynthesis qui est du même auteur, qui était sorti il y a quelques années, et je trouve que là c'est plus abouti. J'ai l'impression qu'il a mis à jour, alors si j'ai bien compris, Evergreen était le jeu auquel il avait pensé en premier dans sa tête, mais il a sorti Photosynthesis après, et finalement avant de sortir Evergreen, et aujourd'hui Evergreen sort. Moi je préfère Evergreen, je le trouve beaucoup plus simple, beaucoup plus fluide.
Eh mais merci Benny pour le Prime. C'est bon ça. L'Eurosub. Deuxième mois, troisième mois, je ne sais plus. Incroyable. Merci en tout cas. Merci beaucoup. Jouer. Paf, paf, paf. Ah, du coup, je suis curieux, Dolmore. Comment t'as connu la chaîne ? Hérétique au bûcher ! Bah, je trouve que c'est dur d'arriver à avoir le public de board game un petit peu. C'est compliqué. Donc, je suis toujours curieux de savoir comment les gens ils ont connu la chaîne. Au hasard, sur Twitch. Au hasard d'une pérégrination. Challenger, Snark qui est dispo, Bunny Kingdom. Et un petit Bunny Kingdom sinon. Oh, un Bunny Kingdom à 4. Ça va être la guerre ça, non? Un nombre maximum, ouais, j'ai l'impression que c'est un peu cassé aujourd'hui, non? Je me balade sur Twitch, je regarde ceux qui font du JDS. Ok. Bon, on n'est pas nombreux, hein, je trouve encore. Enfin, pas assez. J'espère que voilà. Un peu le but de la chaîne aussi, c'est de promouvoir le jeu de société. Parce que moi, j'adore ça. Je fais aussi du jeu vidéo le matin, mais je fais du jeu de société l'après-midi. Et d'essayer de jouer au maximum avec la communauté. On essaie d'organiser chaque semaine voilà, une soirée où on joue avec la communauté aussi, au maximum. Challenger, c'est quoi? C'est plus dispo. Parks, pas trop envie. Saboteur, incroyable. Elawa, ils sont combien sur Elawa? Temps réel, normal. Bon joueur et moins. Ok. Et par contre, j'ai vraiment l'impression que t'as raison. J'ai l'impression que BGA est cassé aujourd'hui. Un, deux, trois, quatre. Bon, ça fait des tables de 5, c'est pas intéressant. Apparemment, je suis accepté dans la table, mais ça se lance pas. On est en attente. Il recherche des joueurs alors qu'on est deux. Aïe, aïe, aïe. La plateforme qui est cassée. C'est très rare, ça. C'est très, très, très rare. Bah du coup j'en profite, hein, Dolmore, tant que t'es là et qu'on a le temps de discuter un petit peu, hop, je fais mon auto-promo. Hein. On a aussi une chaîne YouTube hein, sur laquelle je fais des vidéos focus sur les jeux. Bon après j'imagine que toi si t'es un spécialiste du BGA t'en auras peut-être pas forcément besoin. Mais bon voilà, j'essaie de présenter au fur et à mesure, je vais pas dire tous les jeux parce qu'il y en a quand même 600 et ça va prendre du temps. Mais petit à petit j'essaye de présenter les jeux en rapide sur des formats de 10 à 20 minutes maximum. Pour faciliter l'accès à cette plateforme à un maximum de gens. Je trouve que BGA, c'est quand même assez extraordinaire comme outil pour découvrir le jeu de société. On va pas y arriver à jouer hein, aujourd'hui, hein, ça va être compliqué. Hein. Ça me paraît compliqué. On va continuer à parcourir, tiens, la partie bêta, en attendant. Oui, là, il y a un souci de leur côté, ouais, je pense que là, il y a un problème, parce que on en fait, pour être honnête, on est là tous les jours, tous les après-midi, entre 13h et 16h maximum, en général, moi, je suis là, et c'est la première fois que je vois ça. Donc, c'est vraiment bizarre, hein.
Je sais pas à quel niveau c'est cassé, mais... Knarr, bon, ça me tarde du coup d'essayer Knarr. Wizard of the Grimoire. 32 minutes, complexité 2 sur 5. Jeu de cartes stratégique à deux joueurs, vous devez accomplir votre destin et devenir le gardien du grimoire. Battez votre adversaire en choisissant de nouveaux sorts à partir du grimoire magique, en les lançant, en gérant votre temps de recharge et en infligeant des dégâts massifs. Waouh. Les cartes ont l'air belles. Dated rulebook. Alors, la couve un peu moins. Par contre, les dessins ont l'air sympas. J'adore le digital painting. Bon, au niveau du fond, on aurait pu mieux faire. Hein. C'est un peu lisse, c'est un peu dommage. Du coup, ça ressort pas très très bien. QR code qui va bien. Le petit compteur de points de vie, j'imagine. À la base de deux cartes, pourquoi pas. Bon, en anglais, je vais pas tout lire. Je voudrais juste avoir un détail des cartes. Les cartes avaient l'air jolies. Ah, c'est pas mal, on a le rappel du grimoire, le nom de la carte, le petit bandeau avec les icônes, c'est discret, c'est sympa. Instant, delayed, ongoing. Ça a l'air sympa. Damage, regeneration, utility, ok ok. Ouais, le seul problème c'est ça, c'est que sur cette illustration là, on voit bien que dès qu'on a un peu de texte, on est obligé de monter en hauteur et on, du coup on gratte un peu sur l'illustration, c'est dommage. Dommage. Ah, le jeu de cartes a de l'avenir devant lui, hein, quand même. On en voit quand même pas mal apparaître. Hein. Là, c'est l'Orcana que j'attends, là. After Us en bêta. Colorado. L'île des trains, ça a l'air velu. Hein. L'île des trains, ça a l'air costaud. Get on board. J'approche les 280 jeux joués sur BGA. Waouh, pas mal. Pas mal, hein. Sur 650, ouais, t'en as fait. Je sais pas où est-ce qu'on voit ça. Dans le profil? Je sais pas trop. Là, il me dit que j'ai joué 505 parties. Arcana, le jour où il est digital, c'est sûr que j'y joue. Mais je sais pas si ça arrivera. L'Orcana, tu veux dire? Non, j'ai compté sur ma liste de jeux favoris. Ok. Là, on peut pas trop voir. Hein. Par jeu, n'importe quel jeu. Oui, le jeu de Disney sur de cartes, le nom m'échappe. L'Orcana, L-O-R-C-A-N-A. Je te l'écris comme ça, t'auras le bon truc. Il faut que je fasse un onglet dans le Discord pour l'Orcana. Je pense qu'on va quand même faire des photos, des choses comme ça dessus. Il va y avoir des... C'est sûr que je vais acheter des boosters ou au moins des starters. Ça parle beaucoup, mais tu vois, alors, dans le même temps, là sur Facebook, je vois Régis Bonessé qui sort Altered, qui est aussi un TCG. Et les illustrations ont l'air magnifiques aussi. Et quand tu sais que Régis Bonessé, c'est quand même l'auteur de Seasons, ça donne envie aussi. Hein. Y a une appli fan-made sur leur canal. Ouais, Pixelborn. Pixelborn. Je peux aussi vous le mettre. C'est écrit comme ça. J'hésite un peu à l'installer parce que bon, je suis pas... Enfin, j'apprécie le travail qui a été fait par Pixelborn. Ça a l'air très très joli tout ça. Mais bon, c'est pas officiel. Alors, je sais pas trop comment ça va se régler cette histoire. Je suis étonné que Disney laisse faire, en fait. Enfin, ou que Ravensburger et leur canal laisse faire. Sachant qu'ils ont dit qu'ils ne voulaient pas passer sur du numérique. Et que là, on a une application où il y a toutes les cartes de dispo. On peut jouer en matchmaking avec des gens. Ça a l'air fou qu'ils laissent faire ça, quoi. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais du coup, ça fait quand même une partie de joueurs qui vont en jouer au jeu sans payer les cartes. C'est un peu complexe, quoi. Même si... L'Orcana a sorti l'application sur téléphone. Sur Android, vous avez l'application L'Orcana. Et vous avez toutes les cartes, donc vous pouvez
vous pouvez globalement vous imprimer chez vous toutes les cartes en proxy et jouer aussi gratuitement en payant juste le prix de l'impression. Globalement, si on veut, de toute façon, c'est toujours possible de faire des versions gratuites des jeux. Mais là, l'application, en l'occurrence, je suis presque sûr qu'elle va, ouais, comme tu dis, se faire strike, parce que ça me semble aberrant que ça reste en l'état, c'est gratuit et on a accès à trop de trucs, quoi. Ou alors il faut racheter, quoi. À ce moment-là, tu vois, c'est l'intelligence, peut-être c'est ça, c'est racheter le studio ou travailler avec eux et rendre ça officiel. Sous forme de contrat ou je sais pas. Et... Parce que là, le travail qui a été fait, il est bien, il est bon, hein. Il est quand même vachement bon, le travail, il n'y a quasiment pas de bugs, il y a toutes les cartes, enfin... Et ça donne envie d'avoir une version numérique, hein. Quand on voit la folie de Marvel Snap en ce moment, de Hearthstone, de Magic the Gathering, etc. Moi, je pense que leur canin en numérique, ça aurait été aussi extraordinaire. Pour le coup, j'en ferais pas mal sur la chaîne si c'était le cas, quoi. Et avec les sorties d'extension, c'est une grosse charge de travail. Ouais, par contre, oui, bien sûr, derrière, c'est clair que c'est du boulot. Hein. C'est du boulot. Bon, ça m'embête, du coup, ça veut dire qu'aujourd'hui, on peut pas jouer. C'est fort pénible. C'est très pénible, ça. En plus, il n'y a même pas Darzican. S'il y avait eu Darzican, j'aurais pu lancer un Terraforming Mars avec Darzican sur Steam. Je veux pas lancer un Terra solo quand même. Je pourrais, hein, c'est pas dérangeant. Tu connais Terraforming Mars, Dolmor? Toi qui aimes les jeux initiés et peut-être plus. Mais là, si la plateforme, elle passe pas, donc soit on se fait du just chatting et on regarde les jeux et on discute des jeux, soit je pars sur un terrain en solo sur Steam. Comme ça, s'il y en a qui connaissent pas terrain, on peut toujours faire ça. Hein. J'ai pas regardé si le Evergreen en solo, il se lançait, mais je crois pas. Je connais les règles, je l'ai pas poussé plus loin. Ah ouais. Moi, c'est un de mes jeux favoris. Le solo de Evergreen a l'air de se lancer. Terraforming Mars, c'est un de mes jeux favoris. En termes de gestion, tout ça... Ouais, non, c'est pas parti. Vous avez une autre partie en cours. Eh ouais, mais elle marche pas, cette partie. Aïe, aïe, aïe. Ok. Il m'a lancé la partie, quand même. Alors, comment ça marche en solo? J'ai que 3 cartes. Ok. Zone de fertilité, le champ est à 2, la montagne à 1, et le marais à 2. Par contre, on n'a rien qui va se lancer dedans. On va peut-être pas prendre ça. Montagne et fleurs sont pas loin de champ de blé. Je vais peut-être prendre champ de blé. On va faire des pousses, ça. On va faire des pouces. Comme ça, je pense. Et on prend le point de victoire. Ça doit aller super vite en solo, là, ce jeu. Donc, on a un lac. Pourquoi pas. Un lac, de la neige. Ou alors je commence à planter en... On va faire ça, je pense. On va planter... au niveau de la forêt, ici. Comme ça. Comme ça. On va utiliser le pouvoir de la carte qui va nous permettre de transformer une pousse... en arbuste. L'IA, elle a pris des choses, mais je vois pas ce qu'elle fait, l'IA. Elle marque des points comment, l'IA. Très curieux quand même de savoir.
Là, moi, j'ai envie de laisser la montagne monter. Donc, je vais prendre ça, je pense. On va faire de la croissance ici et ici. Et on va transformer ça comme ça. Ok. Fin du tour. Champ de fleurs et on laisse ça. Ok. On va prendre ça pour commencer à planter ici. Ici, ici. Et ici. Et on peut transformer une pousse en arbuste. Ma foi, celle-là. Non, pas celle-là. C'est intéressant de partir sur ça, je pense. Ok, fin du tour. Dernière carte de la première manche. Ouais, un arbre, ça m'intéresse. Hop, deux cases, ça va être embêtant ici, mais. On va faire ça, on va faire double croissance. Ici et ici. Et on va transformer ça en arbre. 8 points de lumière. Alors le soleil est là-haut, donc en fait ça balance des raies de lumière par rapport à la position du soleil. Donc un arbuste, quand ça prend la lumière, ça prend un point, un arbre, ça prend deux points. Un arbuste va générer une ombre de une case et un arbre va générer une ombre de deux cases. Donc si vous êtes dans l'ombre, vous ne prenez pas les points de lumière. Et après j'ai pris deux points pour ma forêt parce que ben, ma forêt la plus grande pour l'instant c'est deux arbres qui se touchent. C'est tout, c'est que cela. Ou que cela d'ailleurs. Après l'idée ça va être de raccorder un petit peu tout ça pour faire une grande forêt. Donc on a de la neige. Donc des points de victoire directement ici. Le bourgeon c'est des points de victoire. Ou alors du marais. Qui me permet de faire un arbre. Qui me permet de faire un arbre. On part dans ce sens-là, donc potentiellement ici c'est intéressant. On va prendre le marais. On va faire pousser, on va se dire ça. On va faire un arbre ici. Voilà. Alors là, il me faudrait un buisson pour relier un petit peu dans l'idée. On va prendre ça. On va faire grandir quoi? Ici un arbuste. Et ici un arbuste. Toujours pas de buisson. Incroyable. Pas de chance. Le lac peut être intéressant ou pas? Plus tant que ça. Là, on peut faire un arbre encore. Ici. Je vais prendre ça. Les points ne sont pas dingues là. Il y a deux points en fleurs et un point en blé. C'est pas ouf. Est-ce qu'on va planter des choses? On va planter genre ici, je pense. Ah, ça me semble complexe, mais ici c'est pas mal. Et ici. Et on va faire grandir cet arbre-là. Ah, c'est une blague, toujours pas de buisson quand même. Par contre. C'est pas intéressant. Le lac est pas hyper intéressant. Il amènerait deux points de fertilité. On pourrait planter. Est-ce qu'on
On va faire grandir le truc quand même. On va prendre celui-là et on va faire grandir celui-là. On peut faire grandir celui-là. On a fini la deuxième manche. 15 points de lumière. Donc on a bien, bien fait grandir la forêt. Ça, c'est pas un souci. 6 points de forêt. On a commencé à rejoindre le tout. On a un buisson ici. Et en plus, on pourrait faire des choses en champ de fleurs. Du coup, je pense qu'on va prendre le buisson. Et on va faire pousser plus croissance. Genre ici. Et croissance sur ça. Et le buisson, je pense qu'on va le mettre ici. Pour rejoindre tout ça. Mais dès qu'on aura fait ça, ça va rejoindre ici. On reste plus grand chose là. Un de fleurs avec du bourgeon. Ou ici en neige. 4 points, ça va, sinon ça va devenir la zone la plus forte, c'est dommage. Hein. Ah, mais on veut pas laisser ça, on est obligé de prendre ça en vrai. Sinon ça va annuler cette carte là et je vais plus marquer de points. Double croissance n'est pas intéressant, donc croissance plus pousse, pourquoi pas. Croissance plus pousse, ça peut être intéressant, je pense. Genre ici on fait pousser derrière, on fait ça et on fait pousser ça. Parce que ça c'est pas mal. On prend les points de victoire. Par-ci là. 3 marais. 3 en jaune, 2. Donc là il faudrait laisser ça ici pour que ça fasse des points ici et que ça rapporte des points là. Et on a un buisson, donc c'est un peu parfait ça. Lia, elle a pris le marais. Bon là, je vous avouerai qu'il me tarde de savoir comment elle score cette IA. Double croissance. De toute façon, lui ne prend pas de points sur la lumière à ce tour-ci et lui n'en prendra pas non plus. Donc autant les faire grandir. Et on va pouvoir mettre le buisson bah, ici. Il y a peu de chance. Ah oui, par contre, ça fait pas la liaison là-bas. Il faudrait le mettre là en vrai. En vrai, il faudrait le mettre là pour que ça rejoigne tout. Et coucou à Narcotique, bienvenue sur la chaîne. Alors 13 points de lumière, 13 points de forêt principale. On est en train de faire une petite partie d'Evergreen solo, parce que je sais pas si tu joues sur BGA toi aussi, mais alors actuellement ça ne marche pas. On n'arrive pas trop à lancer des parties sur BGA. Ça s'est lancé, donc j'ai lancé un Evergreen solo. Mais je préférerais jouer avec les gens de la commu comme d'habitude, mais c'est compliqué aujourd'hui. Hein. Que toi aussi tu es un joueur ou une joueuse de BGA. Alors il nous reste 2 cartes à choisir. On est là, je pense qu'on va prendre ça. On a encore un buisson. Un buisson, c'est pas très utile. On prend le lac. Ah oui, non, on peut laisser monter les fleurs là. Ça. Je joue principalement à 3 sur BGA. Ok. Pas tout jeune ça, 3, hein, j'aime bien. J'y ai joué il y a un petit moment, ça fait longtemps que j'y ai pas joué. C'est celui où on a les dés rouge, blanc et jaune, c'est ça? Où il faut s'occuper de la peste, défendre la ville, enfin il y a tout un tas de trucs à faire. Je dis pas de bêtises. Hein. Ouais, c'est ça. J'avais passé un bon moment là-dessus, moi. On est en montagne, on a un buisson. On va faire pousser croissance, je pense, en vrai. Genre, on va faire pousser ici. Lui, il prend pas de lumière de toute façon, donc autant le faire grandir.
Et le buisson, bah là, le buisson, on s'en fiche, on peut le mettre où on veut, ça fera forcément grandir quelque chose. On va le mettre par là, le buisson. Et dernière carte à choisir. Ouais, c'est pareil, on est obligé de prendre ça pour pas que ça atterrisse là. Que l'IA... Elle prend les cartes, mais je sais pas qu'est-ce qu'elle en fait. Elle a peur de les remettre, donc au pire, si je prends ça, elle va être obligée de prendre ça. Le Troy Dice, c'est pas mal aussi, une fois qu'on a compris comment scorer. J'ai jamais essayé la version Dice, il faudrait que j'essaye un peu. Il y a des points de victoire, je vais prendre ça. Point de victoire, et on va faire croissance, double croissance. On va faire ça et ça. Pour la forêt. Et prendre les points de victoire. On reprend 13 points de lumière, c'est pas mal. Et la forêt, elle doit être pas mal quand même. 15 points de forêt, c'est pas si mal. On a 32 points pour les arbres à la fin. On est sur un 124. Oh, c'est hier, j'ai fait 139. Victoire. Mais il n'y a pas de... Du coup, ouais, il n'y a pas de... C'est bizarre comme mode solo, il n'y a pas de comparatif. Parce que l'IA, elle récupère des cartes, mais... Il n'y a pas genre un score à atteindre ou... Un petit récapitulatif par rapport au score qu'on a atteint. Ok. Bon, je voulais voir le mode solo, c'est fait. Troy Dice. Hop. Ouais, ça a été décliné après avec Orléans et compagnie aussi, non, dans la même esthétique. De mémoire, j'avais fait le festival de Dax à l'époque. En tant qu'auteur, et j'avais croisé l'auteur de 3, je crois. On avait passé la journée ensemble. Est-ce que c'était bien 3 le jeu ou c'était autre chose? C'est un truc historique aussi. Ça me dit pas ça comme nom. Tournée. C'est du même éditeur. Ok. Vous voyez ça? Non, Sébastien Dujardin, Xavier et Georges. Carcassonne, ouais, Carcassonne, c'est un jeu aussi. Ah, on reconnaît la patte graphique, effectivement. On est. Oh là là, Monsieur Fall. La bonne époque de la Trick Track TV. Ça manque ça, hein. C'était chouette. Hein. Qu'est-ce que j'appréciais la Trick Track TV à l'époque? C'était le bon temps. On veut parler comme un vieux. Oh, dice. Hein. Du coup, en dice, qu'est-ce que ça dit en dice? 1 à 10 joueurs, 7 minutes, complexité 3 sur 5. Un petit tuto, tiens. Ça marche. Prenons un joueur Troy's Dice. Hein. Hop, vous aidez à la construction de bâtiments variés à travers la ville. Ah mais si, je crois que j'y ai joué celui-là. Ça me dit quelque chose. Ça me dit quelque chose. Mais ça fait longtemps. Donc vous avez décidé d'aider à la construction de bâtiments variés à travers la ville, gagnant des points de victoire provenant d'ouvriers, de ressources et de bâtiments construits. Mais oui, Troy Dice, c'est super. Moi, je pense juste que certaines personnes s'attendaient à un petit 3, alors que les deux jeux n'ont rien à voir. D'accord. La partie est jouée en une série de 8 jours, chaque jour consistant en une phase matin et après-midi pour un total de 16 tours. Le premier tour commence au matin, jour 1. Pendant chaque phase matin-après-midi, 3 places seront disponibles et une place, celle avec le dé noir, sera indisponible. Ok, donc là où il y a le dé noir, on peut pas, et sinon on peut faire les autres. Pour commencer, nous utiliserons le 2 jaune. Dé choisi le 2. Donc on peut modifier sa couleur, on peut modifier sa valeur. Lorsque vous utilisez un dé, vous paierez le coût associé à la section. Ok, donc ici, ça vaut 0, donc ce dé vaut 0, et plus on va loin. 1, 2, ok. Et pareil, 0, 2. Je me dis que ça, c'est la phase après-midi, donc phase de jour, phase d'après-midi. Ok. Ici, c'était gratuit.
À votre tour, vous aurez deux options. Vous pouvez soit gagner des ressources ou construire un bâtiment. Le chiffre et la couleur du dé choisi dicteront comment vous pourrez l'utiliser. Dans notre scénario, nous pourrions soit gagner deux ressources jaunes, les deniers, ou construire un bâtiment dans la colonne jaune. Dans la colonne 2 jaune. D'accord. Donc ici, on a les bâtiments. On pourrait construire ça ou ça. Ou gagner directement des pièces. J'imagine que c'est le bandeau qui est en bas. Donc 2, ça nous amènerait par... On démarre avec 3, ça nous en cocherait 2 de plus. Construisons l'hôtel de ville de valeur 2 avec notre dé. Cliquez sur le bâtiment surligné en rouge avec 2 ouvriers jaunes à l'intérieur. Paf. On a entouré, on a fait le bâtiment. On a construit notre premier bâtiment. Vous avez construit un bâtiment de travail qui vous donne 2 ouvriers. Hop, ils ont été entourés en bas. Chaque ouvrier obtenu vaut 1 point à la fin de la partie. Les bâtiments de travail sont les bâtiments de la rangée inférieure dans chacune des sections. Ok. Et fonctionnent de la même façon dans chacune des couleurs. Finalement, une fois que nous avons terminé notre tour, la place sur laquelle le dé noir est atterri sera retournée sur son côté opposé et nous procéderons au tour suivant. Bam, on rejette 4 dés, on est de l'autre côté. Easy. Voyons ce que certains des autres bâtiments font. Donc nous sélectionnerons le 3 rouge pour utiliser ce dé. La plupart des dés doivent être achetés avec des deniers, mais celui que nous avons choisi est quelque peu différent. Il peut être acheté avec une ressource de n'importe quel type. Donc soit une pièce, soit une foi, j'imagine, enfin une influence ou une connaissance. Ok, mais gardons ça simple pour l'instant. Nous choisirons l'option denier pour payer le 3 rouge. Vous devez choisir une action, gagner des ressources. Alors, nous savons déjà comment fonctionnent les bâtiments de travail, alors nous sélectionnerons le bâtiment rouge du haut dans la colonne 3 pour la forteresse. Ici. Les bâtiments de la rangée supérieure dans chacune des sections colorées sont appelés bâtiments de prestige. Contrairement aux bâtiments de travail, les bâtiments de prestige ont une fonction unique dans chacune des couleurs respectives. Les bâtiments de prestige rouge que nous avons sélectionnés est la forteresse. En plus de vous donner un ouvrier d'un type particulier, une forteresse protège sa colonne de toutes les attaques potentielles du dé noir dans le futur. Ok, donc le fait d'avoir construit ce bâtiment protège toute cette colonne, si jamais. Moi je me rappelle que dans 3 c'était, ouais, c'était compliqué hein, le choix des dés avec la peste là en noir. Je remonte ma chaise, il se barre. Je me rappelle que le dé il était, enfin le jeu il était... Je sais pas comment dire, pas oppressant, mais il faut... Tu subis, quoi. À la fin de chaque jour, c'est-à-dire à la fin de chaque phase d'après-midi, la roue centrale est décalée d'un emplacement en sens horaire, changeant la disponibilité de certains dés de couleur pour le jour suivant. Hop. 2. Maintenant, nous sommes au matin du jour 2. Avant que nous voyions ce que les autres bâtiments de prestige font, construisons un autre bâtiment de travail. Nous sélectionnerons le dé jaune 1. Est gratuit puisqu'il est en face du 0. Hop, on récupère donc encore 2 ouvriers. Vous avez reçu deux types de bonus. Super. Les bonus de lien sont obtenus en construisant 2 bâtiments adjacents. C'est le petit symbole qui a entre les deux. Alors que les bonus de piste ressources sont obtenus pour chaque groupe de 6 ressources reçues d'une couleur particulière. Donc ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a eu un bonus. Pour avoir fait ça. L'après-midi du jour 2, obtenant un autre bonus de lien, cette fois nous sélectionnerons le 3 en rouge. Ok. Et bien en construisant ce bâtiment. C'est là où l'influence est utile. L'influence vous permet de modifier la valeur de votre dé choisi. Chaque influence dépensée vous permet d'ajuster la valeur de votre dé de plus ou moins 1. Ok. Donc on va déplacer un influence pour modifier le 3 en 4 et pouvoir construire ce bâtiment ici. Alors la complexité de 3 résiste surtout dans le fait de pouvoir acheter les dés des autres joueurs. Ok. Je ne me rappelle plus qu'on pouvait acheter les dés des autres joueurs. Il me semble qu'il faut coopérer pour combattre la peste ou le militaire. Enfin il y a une histoire comme ça. C'est pareil, ça fait trop longtemps que j'y ai pas joué. Modifier la valeur du dé, donc paf, 4. Continuer. Il le fait tout seul, très bien. Maintenant on clique sur la forteresse et on a le bonus de lien.
Hop, non seulement les colonnes 3 et 4 sont maintenant totalement protégées, nous avons aussi obtenu le bonus de lien pour avoir complété ces bâtiments adjacents. Il est temps de procéder au jour 3, les choses semblent aller plutôt bien. Qu'est-ce que c'était que ça? Comme nous avons... comment avons-nous perdu une section entière de notre plateau? À partir du jour 3 et jusqu'à la fin de la partie, la place sur laquelle le dé noir atterrit détruira ce segment du plateau, à moins qu'il ne soit protégé par une forteresse. Wow. Donc là, c'est le 1 rouge. Bam. C'est détruit. Dans ce scénario, le dé de noir de valeur 1 est atterri sur une place rouge, alors la colonne 1 rouge a été détruite. Pour ce tour, nous sélectionnerons donc le dé 1 rouge et nous le paierons avec un denier. Puisque la section 1 rouge du plateau est détruite, nous devrons soit gagner une ressource rouge, soit ajuster le dé pour construire un autre bâtiment. Nous ajusterons le dé, mais cette fois avec de la connaissance. La connaissance va permettre de changer la couleur, j'imagine, voilà. Il en coûte 2 connaissances, ok. Donc 1 d'influence pour plus ou moins 1 sur le dé, 2 de connaissances pour changer la couleur. Donc on va modifier notre 1 rouge en 1 jaune. Et puisque nous avons déjà construit le bâtiment de travail à cet endroit, construisons un autre type de bâtiment de prestige, la halle. Voilà. Construire une halle est une façon efficace de gagner davantage de ressources ou d'ouvriers. Pour chaque dé disponible, sauf le dé noir, une couleur particulière sur la roue, vous obtiendrez un certain nombre de ressources ou d'ouvriers. Dans notre scénario, la halle dans la colonne 1 donne 3 influences pour chaque dé rouge disponible. Et puisqu'il y a 2 dés rouges disponibles, nous avons gagné 6 d'influence pour avoir construit cette halle. Ok, donc c'est marqué ici. En plus de donner davantage de flexibilité, les ressources valent 1 point pour chaque 2 restantes à la fin de la partie. À ce point, nous avons seulement un bâtiment de prestige de plus à examiner, la cathédrale. Nous sélectionnerons le des 4 blancs et le paierons avec 1 influence. Cliquez sur la section surlignée pour construire la cathédrale, donc le bâtiment de prestige blanc. Les cathédrales sont importantes pour le score de fin de partie. La légende au coin inférieur gauche du plateau du joueur explique la façon dont elle marque des points. Ok. Ce que cela signifie est que les premières et deuxièmes cathédrales construites feront valoir à tes bâtiments 1 point chacun. À la fin de la partie, les 3e et 4e, 2 points, et la 5e et 6e, 3 points. Dans notre exemple, la première cathédrale que nous avons construite contient le bâtiment de travail jaune, ce qui signifie que les bâtiments de travail jaune construits vaudront maintenant 1 point chacun à la fin de la partie. Ok. Ouais, effectivement, il y a quand même pas mal de choses à retenir sur les scoring, hein. On n'est pas sur du boomerang ou quelque chose comme ça. Un petit peu plus complexe. Les cathédrales sont un peu complexes à saisir au début, mais ce que vous devriez savoir est que plus tard vous la construisez, plus le bâtiment qu'elle contiendra vaudra de points à la fin de la partie. Si par exemple la 5e ou 6e cathédrale que nous construisons contient la forteresse, les forteresses, les forteresses que nous construisons vaudront 3 points. Ok, donc là c'est le premier, donc la première que l'on construit. Il faudrait s'arranger pour que ici ce soit la 5e ou la 6e qu'on construise. Cela vous donner une idée de comment jouer à ce jeu. Les seules parties que nous n'avons pas vues sont les bonus de colonnes et les bonus de pistes que vous pouvez recevoir en ayant encerclé des ouvriers sur les pistes citoyens. Mais vous pouvez placer le curseur de votre souris pour voir comment elle fonctionne. Donc, j'imagine c'est ça ici. Ça doit être le scoring en fonction de la fin de la partie. Autrement, nous avons vu la structure de base d'un tour. Les dés sont rangés sur la roue en ordre croissant. À partir du jour 3, le dé noir détruit les segments non protégés. Vous pouvez dépenser des ressources pour utiliser un dé, ajuster sa valeur ou sa couleur. Et le dé noir retourne sur la tuile plat sur laquelle il atterrit et un nouveau tour commence. Nice. Parfait. Ok. C'est bien de se le remettre en tête, ça fait un moment que j'avais pas regardé ça. J'ai dû faire une partie ou deux, peut-être pas beaucoup plus, mais j'ai dû faire une partie. Ah bah TSA, ils nous ont mis le à la une qui s'est mis à jour. C'est peut-être ça qui n'allait pas. Alors est-ce que ça va mieux les serveurs?
Moi, j'avais dans l'idée de faire une partie de ça quand même. Relance pour voir. Je suis joueur. Tawari et Knar. Bêta. À nouveau. Bêta. Non, toujours, hein, toujours cassé. Oh là là, c'est la loose. Mais c'est la loose. C'est vraiment la loose. Bon, on va faire un peu de just chatting, on va continuer. Est-ce que vous avez, est-ce qu'il y en a qui ont suivi l'actualité du flip? Est-ce que vous êtes allé au flip? Nous, c'était la première fois où on y allait cette année. Au flip de Parthenay. Et c'était plutôt cool d'ailleurs. Je lance, on sait jamais. Et le forum, ça dit quoi? Foot discussion système is freezing but say system normal. Unfortunately it's snapping again today so I guess that change didn't fix it. Oh, ça en dit pas beaucoup plus ça. Hein. Pas d'annonce officielle forum. Bunny Kingdom, Gang of Dice, ok ok. Ouch. Ça craque. Non, non, oh, pas de... Pas d'autres trucs, je vais regarder Twitter. J'ai eu l'occasion d'y aller en 2017 au flip, vu que je suis à l'autre bout de la France, c'est loin. Ah ouais. C'est loin comment, ça veut dire quoi l'autre bout de la France, 8 heures de route, un peu plus, quelque chose comme ça. L'autre bout, t'es côté est du coup. Côté est ou côté Strasbourg, quelque chose comme ça, très très loin. Lublinia just subscribed. Merci Lubli. On n'a pas eu l'alerte, on n'a rien eu là, tout est cassé. Très bien, super. Heureusement, Owned, il a le message quand même. Twitter, on va aller voir le compte Board Game Arena, voir s'il y a des messages, mais je crois pas. Hein. Pas d'annonce officielle en tout cas. Un éventuel problème serveur ou quoi que ce soit. Comment ça va Lubli? T'as trouvé 5 minutes et du réseau pour venir sur le live? On a Board Game Arena qui est encore en carafe. Et que ça nous est arrivé il n'y a pas longtemps, mais là... C'est de nouveau en carafe. Oui, voilà, je suis en Meuse, pas loin de Metz. Enfin, à 1h quoi. Ah ok, ok. Nous, on est du côté de Toulouse, par là. Le Grand Toulouse, on va dire. Là, il y a quand même 4 heures de route. Cette année, on a fait l'aller-retour dans la journée. C'était un petit peu rude, mais en une journée, on a vu tout ce qu'on voulait voir. C'était quand même cool. C'était quand même cool. Un petit coucou, tant que je capte. Et ouais, ouais, c'est ça. C'est ça d'aller en vacances au fin fond de la France aussi, également. Y a pas de réseau là-bas. Je sais même pas si t'as le son d'ailleurs, parce que j'imagine que t'as l'image, mais pas forcément le son. Tchik tchik.
Bon, là, il n'y a rien. Il n'y a rien, il n'y a rien sur le forum, en tout cas. Donc, on peut faire que des jeux solo. Super. Le plaisir. Le plaisir. Est-ce qu'il y a solo? Tiens, on va filtrer par solo. Qu'est-ce qu'il y a solo? Dark Nova solo? On peut jouer à Challengers contre l'IA en solo. Earth, je me suis fait ruiner la dernière fois que j'ai joué en solo. Acropolis, on peut jouer en solo pour de vrai? J'y crois pas. Sagani, oui, ça m'étonne pas. Ultimate Railroads. Act 12. J'ai pas le son ni l'image. Ah bah super. Super. Ah là là. On va y répondre dans le chat. Bon après-midi. Merci. Mais j'ai le chat, bah c'est déjà ça. Je peux balancer des emotes. Kiwanaku, Conspiracy. Comment ça se fait qu'on peut jouer tout seul à Conspiracy? Ça donne quoi une Conspiracy solo? Je suis curieux du coup. J'aime pas jouer en solo en plus. Jeu de société, c'est fait pour jouer en société. Ah mince, t'as testé le site du jeu Euro donné par Didou? Non, j'ai pas testé du coup. Je me rappelle plus. C'est quoi le nom? En plus, il est pas là, Didou. Quoi le nom? Adversaire de légende. Ah, il y a un vrai mode solo là pour le coup. Prends un point par paire de perles. Il a déjà une perle, qu'est-ce que c'est? On peut avoir les règles de ce monsieur ou... Puiser. On va piocher la première. Ah, j'ai eu la perle. 4 points. Il fait des choses. J'ai pas le réseau pour participer. You must shoot the Lord from a dice card pile. Et dis donc, il en fait des choses. L'adversaire, c'est pas moi qui choisis ces trucs là, si. Je clique. Si, c'est moi qui choisis. Moi qui choisis quand même. Ouais, il se met bien quand même, il s'est mis un 86. Hein. Il doit avoir le nom sous Discord. Ouais, je vais regarder. Je vais regarder. Là, c'est pas terrible hein, ce qu'il y a. Mais j'irais bien prendre le rouge quand même. Au pire, il y a une clé argent, une clé dorée à choper, donc on permute pas. Je vais regarder. Ah, il m'a remis le Discord. Même si je connaissais pas le Discord. Il avait mis ça dans les gamers, en plus c'était trompé Didou. Il avait mis ça au bon endroit. Ça a été médisant ou ça a été redéplacé? Pam. Ah, je retrouve plus la discussion. Ouais, je verrai plus tard. Je verrai plus tard. Donc lui, il se fait plaisir. Il va prendre deux vertes. C'est moi qui choisis l'ordre. Peu importe, j'ai envie de dire. Et tiens, prends ça. Pourquoi il les place pas, c'est rigolo.
va chercher un lieu, on va piocher parmi 3. On a un par rouge, on a max jaune. Alors, j'ai pas trop envie de lui laisser le max jaune ici, il a quand même 6 points à aller chercher. Perle, ça pique. Hein. Les perles, ça pique. Je vais prendre ça. Même 4 points. Et pourquoi là, il en a pris une ou deux cartes? Est-ce que c'est parce que s'il y a des perles, il prend automatiquement les perles? Sinon, il fait ça. Peut-être c'est quelque chose comme ça. Parmi deux, ouais, je laisse deux clés, c'est pas grave, on va prendre le 6 bleu. Tant pis. Voilà, double clé. Bah oui, bien sûr. Il a pris quoi comme lieu? Il a pris celui des perles. Il a pris celui des perles. On prend le rouge pour avoir la chaîne double perle. Il faut utiliser le jeton rejouer. Parce qu'on est à 2, ça. Ouais, je rejoue. Moi, je rejoue. Voilà. Il a pris du jaune. Hein. Ouais, comme par hasard. Joueur de légende. On va prendre ça. Et on va prendre 1 plus 1 par rouge. On a déjà 4 points. Ça fait quand même 5 points, ça. C'est indécent quand même. Lui, il arrive à avoir 6 jaunes, là. Bon, voulez-vous qu'on s'en sorte? On va prendre la clé bleue. Oh, une clé en rouge. Intéressant. Je pense qu'il fait apparaître tant qu'il voit pas des perles. Ouais, c'est ça. En fait, il fait apparaître des cartes jusqu'à ce qu'il voit des perles ou une chaîne. Et il prend la carte. Donc si c'est perle en premier, sinon après c'est jaune. À partir du moment où il a commencé à créer une chaîne. La plus longue. Bah nous c'est la clé avec le rouge, hein, c'est tout indiqué. On va chercher parmi 3, on a un par paire de perles. Les perles on en a que 3, il est à 5, je crois qu'on va s'asseoir dessus. Hein. On va aller prendre les 7 points je pense. Hein. On va prendre les 7 points direct. Hop, là il va prendre le perle bleu, voilà. Perle en priorité. Ok. Donc il a sa séquence. Moi je voudrais du rouge encore là. Mais on n'a pas de vert, ça ferait un point en vert quand même. Et on peut continuer le rouge à partir d'ici. On a déjà 5, c'est pas mal. Prendre la carte verte avec la clé. Oh, il va prendre. Forcément c'est du jaune avec des perles. C'est indécent quand même. 2, 4, 6, 7. 3, 21 points. Tout va bien. On va prendre la clé. Ici c'est quoi? Ça c'est nul. Ça c'est nul aussi. Alors on a quoi? Un par jaune. Par violet. Un peu pour un. Hein. On va utiliser le jeton rejouer, bien sûr. Là on veut du rouge absolument, donc on va charger parmi 3. Voilà, et on a le 6 rouge. On a grandi notre chaîne. Lui, il va prendre ça, hein, à mon avis. Ça ou... Enfin, il y a un peu de choses. Quand il n'est pas capable de choisir, je pense que c'est à nous de choisir. Non, je suis obligé de choisir entre les deux. Je vais lui donner le vert, je crois.
Je vais lui donner le vert. Est-ce qu'on peut foncièrement encore avoir du rouge? Je suis pas sûr. C'était greedy. On peut contester les perles un petit peu, mais il est à 10. Et il a un par paire de perles, donc on va peut-être pas essayer de le laisser trop monter, non? Prendre celle-là quand même. Là c'est pareil, il sait pas se décider, donc soit on lui en donne ça, soit on lui donne ça. Dans tous les cas, il a un point. Et la clé, ça lui fait un lieu de plus. Non. On va lui donner ça. Je pense qu'il va me rouler dessus. On a encore des chances d'avoir du rouge. Oui. La clé servirait-elle à quelque chose? Non. Donc les deux perles. Pas forcément, mais on va le prendre pour la manière de dire. Alors 20 à 22. On est les deux 20. 24 hein, à 10. Ah, on fait plus de points sur 1. 21. Là, il a plus. Il a 21 aussi. Il a 5 points de perles. 65 à 58. On a gagné. GG moi. Ok, donc là on a un vrai mode solo avec un automa qui fonctionne pas trop mal. C'est pas mal. C'est pas mal, ouais. Règle du professeur board game. Conspiracy, c'est trop bien. Faut vraiment que je fasse une vidéo sur Conspiracy aussi. Ce matin j'ai tourné ma vidéo sur Earth. Je crois que cet après-midi, je vais faire celle de Wingspan, mais je vais préparer celle de Conspiracy aussi. Un jeu que j'apprécie beaucoup. BGR. Ah, ça annule les trucs de recherche à chaque fois. Je suis tristesse là quand même, hein, de ne pas pouvoir lancer les jeux que je veux. C'est un peu problématique. C'est un peu problématique, ça. Alors. Gabali, Koussa, Gama. Da-da-da, da-da-da. C'est étonnant quand même. 1, 2, 3, 4. Mais les tables elles clignotent pas. Les tables elles ne clignotent pas. Solo. Allez, on continue. Solo jamais joué. À quoi j'ai jamais joué un solo? Les barrages, on peut jouer tout seul. Oh là là. Projet Gaïa tout seul. C'est des gros jeux ça quand même. Can't Stop Express. Canva. Canva, Canva tranquille. Il y en a plein que je connais pas. Beta. À la limite, pourquoi pas. Time Zoom. Série de jeux d'enquête pour un ou plusieurs joueurs. Oh. À la limite, ça peut être intéressant, non? Faire un petit jeu d'enquête tout seul, là. Ça peut être pas mal, ça, Benny. T'es calé en jeu d'enquête, non? T'es fort? Je sens que t'es un enquêteur hors pair. Moi, je suis pas bon à ce genre de jeu. Il va rigoler, il rigole. Ouais, je pense qu'on va lancer ça. Tout est cassé, ça c'est un vrai jeu solo. Crime Zoom, apprendre. Il y a un tuto. Tutoriel. Oh, nice. Alors. Content que vous soyez ici, détective. Danny était un bon policier. Un bon policier. Si jamais je capture le rat qui a fait cela, je vais... Désolé. Je vais vous laisser travailler seulement, promettez-moi que vous trouverez le tueur.
Pour une meilleure expérience, on visionnera ce tutoriel sur un ordinateur. Alors, Crime Zoom, ça l'objectif, n'est pas vraiment un jeu. Il vous glisse dans la peau d'un détective. Vous devrez examiner une scène de crime, suivre des pistes, questionner des suspects et finalement résoudre l'affaire. Le Rolling Pins, c'est le bowling en Roll and Ride. Ah ouais? Excellent. Ils en font pas mal des jeux Roll and Ride. Il y avait Dice Athlon là, que j'ai testé il y a pas longtemps, qui était rigolo aussi. 61 feuilles d'automne. Enfin, j'en découvre pas mal des Roll and Ride et plus j'y joue, plus j'aime ça. Cartographeur, moi en Roll and Ride, j'ai adoré. Cette enquête ne peut seulement être suivie qu'une fois. Je suggère que vous finissiez le tutoriel maintenant, à nouveau. Mais que vous préservez votre partie réelle pour une soirée de jeu plaisante. La scène de crime devant vous est divisée en 12 sections. Si vous cliquez sur l'une d'elles, elle sera zoomée pour vous fournir des détails. Par exemple, si vous cliquez sur la nourriture chinoise sur la table, cela vous donnera un lien afin que vous puissiez questionner le propriétaire du restaurant. Vous regardez plus bas sur au plus bas de la mise en place des 12 cartes, vous verrez une carte qui décrit la situation. Au fur et à mesure que vous obtenez davantage d'indices, empreintes digitales et témoignages, les cartes s'empileront rapidement dans cette zone. Les empreintes digitales ne sont pas qu'un élément insignifiant du décor. Dans le coin supérieur gauche, vous trouverez une icône de punaise. Si vous cliquez dessus, vous trouverez plusieurs plateaux que vous pouvez utiliser pour garder le suivi de vos informations. Désolé, les cordes couleurs ne sont pas incluses. Dans le coin supérieur droit, il y a un onglet qui mentionne questionnaire. Vous ne devriez pas cliquer sur cet onglet tant que vous n'êtes pas prêt à résoudre l'affaire. Par contre, si vous choisissez de le faire sans avoir regardé toutes les preuves, votre score après le questionnaire final recevra quelques points en bonus. Le questionnaire vous demandera diverses questions comme « Qui a tué Danny ? Y avait-il un complice ? Quelle preuve peut être utilisée pour condamner le tueur ?» Une fois que vous soumettez le questionnaire, toutes les réponses seront révélées. Bonne chance ! Bonne chance ! Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Ok. Eh, on va faire ça, je crois. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien. Jouer. Ça, c'est forcément un peu jouer à plusieurs. Solo. Solo. Bah, je compte sur vous parce que moi, je ne suis pas le meilleur détective qui soit. Allez, Derrick, il a dit. Oh, la rêve de vieux. Donc, nous sommes dans l'appartement de la victime. Rapport d'enquête. 38 cartes restantes. Brooklyn, septembre 1980, New York. Hier soir vers 23h, l'appel d'un habitant avertit le 911 d'un coup de feu entendu chez son voisin. La police est venue et a découvert une scène de crime. Le voisin, qui a guetté le couloir par son Judas, n'a vu personne partir. Personne ne connaît le locataire, discret et poli. Les autres locataires sont de pauvres retraités sans histoire. À vous de jouer, Derrick. Très bonne année 1980. C'est une année de vieux, ça. Ok. Regardons la victime. Voilà. Il est couché, une balle dans la tête. La tache de sang est derrière. Donc, potentiellement, il était assis. Il a regardé son tueur droit dans les yeux. Paf. Ou alors il s'était endormi. C'est de la tomate. Une balle ressortie par l'arrière de la tête a éclaboussé le mur de sang. Des débris du mur et un cadre cassé sont tombés derrière le canapé. Nous pouvons ramasser le cadre. Ou nous pouvons accéder au rapport d'autopsie. Je suis curieux, je veux ramasser le cadre. Une photo légendaire, le parrain Ricky Frasco avant son arrestation. Ricky Frasco. On va relever les empreintes sur ce cadre. Empreinte digitale partielle relevée sur les morceaux du cadre brisé. Aucune piste à suivre. Ok. Et le rapport d'autopsie, il dit quoi? Homme blanc, 44 ans, tué sur le coup d'une balle de 9 mm dans la tête. Donc si mes souvenirs sont bons, un 9 mm c'est un pistolet. De type semi-automatique. Tiré d'une distance d'un mètre environ. Waouh, 1 mètre environ. Donc là, on est sûr. Il n'y a pas eu de lutte. Donc ils se connaissaient, c'est obligé. La position et l'état du corps suggèrent qu'il ne s'est pas défendu, vous voyez. Hop, je l'avais déjà anticipé. Le corps n'a pas été déplacé. Présence de somnifères de type Z. Irritation anormale de l'estomac pouvant être due à l'absorption d'un produit toxique. Le reste est normal. Est-ce que la bouffe était empoisonnée?
C'est une exécution. Ouais, peut-être. Un règlement de compte entre anciens mafieux. Le Blue Moon. C'est pas le restaurant chinois qu'il y a dans Big Bang Theory, le Blue Moon là, ou le dragon je sais pas quoi. J'ai l'impression de reconnaître ce logo, ça a l'air d'être connu. Alcool et box de nourriture chinoise du Blue Moon. Possible. On va analyser la box. Nourriture traditionnelle chinoise de bonne qualité, légère trace de morora. Dose insuffisante pour empoisonner un être humain. Ok. Ah ça sent le resto chinois où on a chassé les rats et on a oublié de nettoyer correctement derrière. On peut interroger le restaurateur. Est-ce qu'on y croit vraiment que le restaurateur il a fait ça? On peut analyser l'alcool. Whisky américain, dose notable de somnifères de type Z, du zopiclone et du zolpidem. Le goût en est légèrement altéré, l'effet soporifique a dû se déclencher au bout d'une dizaine de minutes. Alors, est-ce qu'il a été drogué volontairement ou est-ce que c'est quelqu'un qui utilise des somnifères pour justement dormir parce qu'il est torturé par d'anciens crimes dans sa tête? Encore un peu trop tôt pour le dire. La victime était endormie. Je pense qu'elle était endormie, ouais. Ok. Est-ce que la fenêtre est ouverte, hein? Elle n'a pas l'air ouverte, la fenêtre. Hein. Cendrier vide. Ticket de métro vers la 45e rue. Diverses traces inexploitables sur le bas de la fenêtre. La fenêtre s'ouvre sans peine depuis l'escalier de secours. Ah, donc c'était pas verrouillé, ça s'ouvrait sans peine. Donc on a pu le droguer, rentrer tranquillement par la fenêtre, le tuer et se barrer. Pas de piste. Une silhouette noire féminine dans l'immeuble en face. La vitre a été nettoyée en haut de l'escalier. En haut, l'escalier de secours descend jusqu'à la rue. Allons interroger ce témoin. Miss Baker. Je ne comprends pas. Quel rapport entre ma personne et cet homme assassiné en face? Je n'y ai jamais rien vu de particulier. L'appartement était souvent plongé dans le noir. Vous pensez qu'il me l'espionnait? Je suis une militante active dans le quartier. Il est possible que... Oh mon dieu. Je crois que vous feriez mieux de parler à mon ami. Je vous préviens, il a le bras long. C'est le fils de Monsieur Hutchinson. Waouh. Et le fils de Monsieur Hutchinson, on peut aller interroger le fils. Militante. Ok. Qu'est-ce qu'il a le fils? Hutchinson Jr. Écoutez, inspecteur, je ne crois pas que mon père apprécierait cette incursion dans ma vie privée. Miss Baker est une amie, une militante très investie auprès de la communauté noire. Nous nous voyons régulièrement afin d'améliorer la vie des électeurs de cette communauté. Brooklyn a longtemps été laissée en proie aux crimes et aux trafiquants. L'image de mon père est très conservatrice, pourtant je vous assure qu'il est pour le progrès social. Ok, on a les empreintes à chaque fois. Hudson Will. Monsieur l'inspecteur, je suis en campagne pour établir l'ordre et la morale. Il est évident que certains feront tout pour conserver leur choix de vie libertin. Même vos services de police ne sont pas vierges de toute corruption, n'est-ce pas? Qui dit que Monsieur Roca est du bon côté de la loi? Je dois vous laisser. J'ai eu une soirée de gala avec mon fils et sa fiancée Déborah qui a fini très tard hier. Je suis en retard dans mes rendez-vous. Tenez-moi au courant. Ok. Un peu de politique. Donc en face, il avait une militante qui est reliée à un politicien. Ok. Il a l'air d'avoir une bague. Hein. Il y a des débris au sol. Et là, qu'est-ce qu'il y a au pied? Des marques enfoncées dans le tapis. Un trépied. Un capuchon d'objectif Canon. Ah, donc peut-être qu'il observait la voisine. Hein. L'alliance à son annuaire est patinée et facile à enlever. De fins éclats de vitre jonchent le sol. Patinée, facile à enlever, donc ça veut dire qu'il a été marié il y a longtemps. Ça fait longtemps qu'il a la bague. Danny et Eva, 1963. Bague en or. 18 carats d'excellente qualité. A été agrandie pour pouvoir être enlevée et remise facilement. Empreinte digitale de la victime. Le fichier sort le nom de Danny Roca. Policier. Policier de son état. C'est un policier qui a été abattu. Enquêté. Danny Roca est inspecteur premier échelon à la police de New York, entré dans la police à la fin de ses études de droit. Il a connu son heure de gloire en arrêtant Ricky Frasco, un parrain de Brooklyn. Libéré sous conditionnel et assigné à résidence depuis un mois. Son équipe fait de la surveillance et filature.
Il habite à Manhattan avec son épouse, Eva, coiffeuse. Waouh. Ricky Frasco. Hey, je viens à peine de sortir de prison, je vais pas replonger, surtout pas pour buter un flic. Je suis pas fou. J'ai rien de personnel contre lui. Roca m'a eu à l'Oréal. J'étais jeune et con à l'époque, je ne suis pas méfié. Il m'a filé, photographié sous toutes les coutures, même aux chiottes. Un dossier en béton. J'ai pris 8 ans. Non, j'ai rien à voir avec ça. Je me tiens à carreau, j'ai même appris à lire et à écrire correctement. Avant, j'étais illettré. Petit légendaire sur Diablo ? D'où le Legendary ? Ok, Ricky Frasco, il dit que c'est pas lui. J'ai pas vu ça, là. Un tag Rocky s'est vengé a écrit avec un liquide qui a séché. C'est très bien écrit, Rocky s'est vengé. Hein. C'est du sang humain séché. Le groupe sanguin est le même que celui de la victime. L'état du sang sur le tag correspond à l'heure du décès. Ok. On a des trucs au sol, hein, encore. On a une cigarette. Une cigarette entamée avec des traces de rouge à lèvres. Cigarette est de marque Newport. Le rouge à lèvres est le Dior. Rouge baiser. L'analyse ADN est impossible avec si peu d'échantillons. Aucune empreinte digitale. Quel dommage. Une carte du laboratoire de développement Kodak. Ouh, moi ça m'intéresse parce qu'il prenait des photos. Rocky Kojak. Attendez. Oh que oui, un photographe artistique spécialisé dans le nu, si vous voyez ce que je veux dire. Il prend souvent des photos d'une fille blonde, belle, mais vulgaire. Mais récemment, c'était plutôt une amourette, au téléobjectif, genre fenêtre sur cour, voyez. Mais je ne pose jamais de questions, chacun sa vie privée. Il me reste un bout de pellicule, si ça peut aider. Ah bah, on va voir. Ça avance cette enquête Hercule Poirot. Oh là là, dis donc. Eh ouais. Alors donc, notre voisine, qui est une militante, elle est... À mon avis, ça c'est le fils là. C'est machin junior ça. Et lui, il est censé avoir une copine qui s'appelle Déborah. Donc, est-ce qu'elle a du rouge à lèvres cette femme? Elle a du rouge à lèvres. Est-ce que par hasard, elle l'aurait pas fait taire parce qu'il l'avait surpris en train de... En train d'embrasser l'autre là. Peut-être, hein. Badge d'inspecteur de police de New York au nom de Danny Roca. La photo est bien celui du cadavre. Plusieurs livres de droit. Allons enquêter à son travail. Danny Roca est inspecteur premier échelon. Ok, ça on a vu. On peut aller au salon des vins. On peut interroger des collègues. Danny est un flic tenace. Un pionnier de la photosurveillance. Il a formé tous les flics de son équipe. C'est une pointure en photo au téléobjectif de nuit. Il aime bien mater aussi. Et ta gueule, un peu de respect. Un coup de Ricky Frasco? Nope. Nos équipes le surveillent. Il est sur écoute 24-24. Il ne va pas le laisser s'en prendre à un des nôtres. Il a l'air réglo. Ouais, on se doute que c'est pas lui. Qu'est-ce qu'il y a là? Sous un clou de tapissier, un grand trou dans le mur dans lequel on peut passer la main. On va fouiller le trou. Le trou permet l'accès à une cachette dans l'épaisseur du mur vide. Il ne reste qu'une photo. Tirage professionnel couleur sur papier Kodak. Le labo est identifiable. Ok, un keto au laboratoire, on y est allé. Donc ça, c'est la fameuse fille blonde un peu vulgaire auquel il a pris en photo. Est-ce que ce soit elle par vengeance qui soit venue le tuer parce qu'il croyait que... Non, je crois pas ça. T'as une idée, Benny, au moins? Une publicité pour le club de striptease sur la 45e rue à Manhattan. Allez, let's go. Interroger Doris, une stripteaseuse. Oh, on arrive dans un nouvel endroit. C'est génial ce jeu. Alors, on a Doris, Gloria, on peut chercher des indices, on peut interroger Scar, le gérant. Est-ce que c'est pas Gloria par hasard?
Oh, je sortais avec Danny, oui, rien de vraiment sérieux. Je savais qu'il était flic et marié. Toutefois, il était pas mal. Il m'invitait dans de bons restos et il assurait au pieu. Pour ça, on allait souvent dans son appart sur Brooklyn. Une garçonnière discrète. Dans mon métier, avoir un petit ami policier, c'est toujours intéressant. Au club, on envoie défiler des types louches. Heureusement, Scars, le gérant, veille sur nous. Et Danny. Pas trop pour le moment. Bon. Donc le gars, déjà, il était marié. Il était, il sortait avec de temps en temps avec une stripteaseuse. Danny Roca, c'est un bon client qui traîne avec la petite Gloria. Rien de mal à ça. Moi, je suis un honnête commerçant, toujours prêt à collaborer avec la police. Danny était le bienvenu ici. Une vraie vedette. L'homme qui a arrêté Rocky Frasco, pensez donc. J'ai rien à me reprocher, c'est injuste ces préjugés dont les clubs topless font l'objet. On répond juste à un besoin naturel. Les hypocrites, c'est les censeurs. Petit message au passage. Bon, on peut regarder, mais je suis pas sûr qu'on trouve grand chose ici. Ah, on a un rouge à lèvres. Rouge à lèvres de marque Maybelline. Donc on n'est pas sur la marque de Dior. Dior, à mon avis, c'est un peu classos. Hein. Moi, je mettrais quand même une pièce sur la nana Baker en face. Hein. Ok, ok. On peut lire le journal. Conservateur Hutchon veut rétablir l'ordre et la morale à New York. Vers la fin des clubs topless. Mariage de l'année. Hutchon Jr. se fiance avec Déborah, la riche héritière des cafés Robinson. 100% c'est elle, moi. Je pense que c'est elle. C'est elle qui a pas supporté que son petit ami sorte avec la militante... Je vois que ça. Il reste 5 cartes, mais je pense que c'est ça. On tente. J'ai bien envie de voir le questionnaire. C'est où le questionnaire? Est-ce qu'on a besoin de faire ça? Rapport d'enquête. Êtes-vous sûr? Moi, je tente. Je confirme. De quoi la victime est-elle morte? Ah bah, d'une balle dans la tête, hein. Là, bon... Qui a tué Danny Roca? Mince. Et il faut... elle. Je sais pas comment le dire. Ah, je pensais qu'on pouvait mettre du texte, moi. Je vais mettre ça, mais bon. Le coupable disposait-il d'un complice? Si vous pensez qu'il n'y a pas de complice, laissez cette réponse vide. Quel est le mobile du crime? Vengeance à cause de jalousie. Vol de photos compromettantes. Un restaurateur protège sa fille. À qui appartient la cigarette présente sur la scène de crime? Terrible. Je pense que c'est elle encore, mais bon. Quelle preuve permet d'inculper le coupable? Ah, ils ont dit que c'était pas suffisant quand même le rouge à lèvres. Qui aurait pu faire l'objet d'un chantage dans les heures à venir? Pourquoi? Bah, c'est le fils, hein, c'est Junior. Hein. Cette carte-là. Ah, je pensais qu'on pouvait écrire du texte. Comment on peut inculper plus ça, hein, je pense que quand même ici c'est pas mal. Hein. On a les photos, le rouge à lèvres. Les photos, le rouge à lèvres et le mariage, hein, encore une fois. Hein. Moi j'ai fait le lien grâce à ces cartes-là. Hein. Peut-être c'est le père. Allez, bim. Bon, Danny Roca est mort d'une balle à tête. Ok. Oh là, on s'est trompé. C'est Scars qui a tué Danny Roca. Il a fait la même faute concernant le nom de Ricky Frasco sur le tag et dans son témoignage. Pour découvrir la cachette dans le mur, il a retiré le cadre qui est tombé et s'est brisé. On retrouve ses empreintes sur le cadre. Non, mais je vous avais dit que j'étais mauvais, moi, en enquêteur. Gloria et sa complice, ses empreintes ont été retrouvées sur un verre.
Oh là 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 là. Et c'est trop dur cette enquête. Le mobile s'emparait des photos compromettantes de Hutchins Jr., l'amant de la voisine, noir, afin de faire chanter le père, parce que ce dernier veut fermer les clubs de striptease. Eh ouais, ça c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai qu'il voulait fermer les clubs de striptease. Qui appartient à la cigarette? Elle appartient à Eva. Scars est venue au salon de coiffure et elle l'a volée. Ok. Les preuves, les empreintes digitales et le sang du tag. Monsieur Hutchinson, père, aurait fait l'objet du chantage. Oh là là. Tellement mauvais. Ok. Ah, j'aime beaucoup ce genre de jeu. Mais je suis vraiment pas bon. Je vais trop vite dans mes conclusions. Alors, New York, le jour du crime. Purée, si ce crétin de Hutchinson applique au programme, son programme de censure, c'en est fini du business. Je mets la clé sous la porte. Et qu'est-ce que je vais devenir? Demande Gloria une de ses filles. T'inquiète, chérie, c'est pas encore fait. Il y a mille façons de changer la vie, un homme. Hutchinson fils a l'air moins coincé que son père, en tout cas. Explique. Je suis sûr d'avoir vu son fils junior hier. J'ai reconnu le beau gosse. Ah, où ça? À Brooklyn, juste en face du nid d'amour de Danny Roca. Je l'ai vu dans son téléobjectif. Sean Jr. embrassait une belle femme noire torride. Roquin, le flic photographe amateur. Ça se passe bien avec lui? Ouais, fastoche. C'est que posé à poil pour lui, je pourrais peut-être devenir mannequin. Tu penses que Danny Roca a photographié Junior chez cette fille? Bah, son appareil était installé sur un trépied en face de la fenêtre hein, quand je suis arrivé. Et connaissant sa passion pour les clichés volés? Merde alors, j'ai un plan d'enfer. Gloria, tu peux amener une bonne bouteille à Danny et le faire boire? Bah oui, il adore le whisky, pourquoi? Ensuite, tu pourras m'ouvrir la fenêtre côté de l'escalier au secours avant de repartir? Tu veux Scar, mais Danny te connaît, il a une arme chargée et il va jamais accepter de te filer ses photos. Je sais pas où elles sont cachées, mais il a montré une fois là-bas, c'est tout. C'est un obsédé, un collectionneur. T'occupe, il a des ennemis? Je sais pas, ce mafieux qu'il a arrêté là, il a gardé sa photo accrochée au mur, il me bassine tout le temps avec ça. Rocky Fresco ou Frasco, je crois. Et sa femme, elle se doute de rien? Si, peut-être, mais elle s'en fout, il a offert un salon de coiffure sur Manhattan. Je vais aller la voir et passer à la pharmacie. Tu veux quoi, Scar? C'est pas ton problème. C'est juste ce que je dis, je sors, on fait ça ce soir. Ok. Mais où sont ces fichues photos? Se demandait Scar, qui s'énervait en fouillant dans l'appartement, quand même pas derrière le canapé où il s'était affalé. Gelink, la photo accrochée, lui échappa des mains et le cadre tomba par terre pour se briser. Qu'est-ce que tu fous là? Le bruit venait de réveiller Danny Roca. Assoupi par les médicaments, il essayait de se relever à grand peine, les yeux dans le coltard. Dans la panique, Scar a sorti son arme et fit feu. Inratable à cette distance. Et merde, c'était pourtant le plan parfait. Et non, il m'a reconnu. Bon, voyons, les photos sont bien là. Me débarrasserai du flingue dehors. Et la photo de Rocky me donne une idée. Ouais, un tag. Haha, mon vieux Rocky, désolé. Mais t'as pas fini d'avoir des flics partout. Je peux pas tomber pour ça. Ceci est une version de démonstration de Crime Zoom en 38 cartes seulement. Vous trouverez d'autres enquêtes dans votre boutique préférée avec 55 cartes et un livret, soit autant de pistes d'histoire et de suspense en plus. Eh ben, c'était vraiment cool. Vraiment, vraiment cool, ça. Bon, bah, le problème, c'est que ces jeux-là, une fois que tu les as finis, tu peux pas les refaire, donc c'est super en ludothèque ou en association. Tu fais ton enquête, tu le remets en dispo dans l'assaut et les autres le font. En tout cas, c'était vraiment cool. Bon, vous avez vu, hein, je suis pas un enquêteur hors pair. Hein. Clairement pas. Ah, une demande d'amis. Dolmore, parfait. Demande d'amis acceptée. Un narcotique, c'est pareil. Hein. Je vois que ça passe et que ça repasse sur le chat de temps en temps, mais n'hésitez pas à envoyer des demandes d'amis. On étoffe la liste au fur et à mesure. On a eu Didier Le Nain Bragard il n'y a pas longtemps qu'on a réussi à rajouter un ami, c'est l'auteur de Kawale. Ah, Promipel aussi. Et après, pas mal de membres de la communauté. Togepi aussi, hein, bien sûr. Bien évidemment. Paf, ça a l'air d'être réparé. Je ne crois pas. Hein. Ouais, ça a l'air de reclignoter. Est-ce qu'ils ont réparé la machine? Peut-être. On va voir ça. Ouais, ça tourne mieux là. Ah, ok. Eh, intéressant.
On va voir si on arrive à lancer un truc. Effectivement. J'avais mis 2, ça m'a relancé à 4. Pourquoi pas? Oh, c'était cool ce petit crime zoom. C'est vrai que je pense pas trop en faire parce que moi je préfère être dans l'interaction avec la communauté plutôt que dans un truc solo. Mais c'est vrai que ça s'y prête bien quand même. Enquête collaborative, ça peut être pas mal aussi. Mais il faut que ce soit en format numérique quoi. C'est pas le genre de jeu où tu peux faire même avec une bonne caméra et en le tournant comme ça, c'est quand même compliqué quoi. Durée de la partie à moyenne 10 minutes, durée d'attente pour rejoindre la partie 15 minutes. Est-ce rentable? Je ne suis pas sûr. J'ai des doutes. J'ai des doutes. Ah, il a lancé à 2. Eh ben parfait, très bien. Oui, c'est en bêta, j'accepte. Alors, Knarr, donc ça c'est ma main, j'ai un viking rouge et deux vikings verts. Il y a des destinations qui sont là-bas. Et des vikings ici. Vous devez recruter ou explorer, prendre une destination. Et les destinations, il y a le coup... Ici, j'imagine, un coup d'exploration, deux jaunes, ok, donc là, ici, je pourrais explorer que double vert rouge. Il n'y a pas, donc on va recruter quelque chose. On a déjà du double vert, et encore du vert et du bleu, peut-être du bleu. On va gagner de la réputation, gagner une recrue. On va prendre ça, non, ce coup n'est pas autorisé, vous devez recruter. Ah, c'est là où je joue un de ma main. Ok, bah je vais jouer un vert. Allez. Je joue un vert. Vous devez choisir une nouvelle carte à prendre sur la table. C'est gratuit. Terminer le tout. Comment ça marche? J'ai posé un vert. Ok. Ça, c'est une piste. Un point de victoire, un point de victoire. Hop, je joue un vert. Et je peux juste prendre celui-là. Pas de commerce, j'ai pas de bateau, j'ai pas de commerce. Donc, terminer le tour. Deux verts, un jaune, ok. On va voir après pour les destinations. Alors ici, c'est 3 identiques. Trois cartes de couleurs différentes. Et je gagne immédiatement une recrue, un point de réputation et une carte. Bah, je vais faire ça. Je vais payer donc avec 3 cartes différentes. Et là, je pourrais aller du commerce en défaussant un bracelet dans deux bracelets. Je pourrais récupérer ça. Terminer le tour. Et les recrues, elles servent à quoi hein? On est ici. Alors, vous devez recruter ou jouer une carte. Ok, ok. Donc si je joue en rouge ici, je vais récupérer celle-là. Je vais jouer la rouge. Je peux prendre ça, c'est gratuit. Je peux prendre la jaune en payant une recrue. Je peux prendre la verte. Ah oui, on peut payer en recrue pour prendre autre chose. Je vais prendre celle-là gratuitement. Faire du commerce. C'était un point de victoire à une recrue.
Faire du commerce, dépenser un bracelet. J'en ai pas deux, donc annuler. Termine le tour. On peut peut-être se mettre en plein écran, vous y verrez encore un peu mieux. C'est vrai que vous ne voyez pas les cartes là. Pour aller quand vous ne voyez pas les cartes comme ça. On va décaler. On va faire ça. On va faire ça. Hop, comme ça même. Vas-y, vous voyez à peu près. Prendre les cartes. Qu'est-ce que je prends? Il va s'impatienter. Double rouge, on peut aller visiter ça. On gagne immédiatement un bracelet. On va faire ça, je pense. On a deux. Ben, on va faire du commerce. On va dépenser deux bracelets. On va gagner 3 points de victoire. Et une recrue. Je dois y aller. Et surtout refaire mon CV. Bref, bon jeu. Eh bien écoute, bon courage pour ton CV Dolmore, merci d'être passé, merci pour le follow et n'hésite pas à repasser quand tu veux, on est là à peu près toutes les après-midi et une fois par semaine en soirée pour la Board Game Night, ça sera sûrement demain soir pour le coup. Donc avec grand plaisir, tu repasses quand tu veux. En tout cas, bon courage pour ton après-midi et pour ton CV. Ici, il faudrait jaune, rouge, vert, bleu, violet, il faudrait toutes les cartes, toutes les cases. Donc on va jouer du bleu et récupérer une carte verte, non. Il faudrait récupérer la jaune, mais il faudrait jouer du jaune. On peut dépenser des recrues. Hein. On va récupérer du jaune en dépensant une recrue, je pense. À mon avis, on va faire ça. Ça a l'air très sympa ce petit knarr. Knarr. Bon allez, les deux vendent 2 points. On voudrait une carte de chaque couleur, donc on voudrait récupérer la rouge. On va jouer la verte et récupérer la rouge avec un token. On n'a qu'un bracelet. Je vais attendre d'en avoir plusieurs. Il y a plein de cartes là. Ici on a deux cartes violettes. Deux violettes. Jouer du rouge. Pour gagner un bracelet, on en aura deux comme ça. On n'a plus de recrues, donc on est obligé de prendre celle de l'emplacement en rouge. Et on va commercer en dépensant les deux bracelets. Hop, comme ça on régénère une recrue et on gagne des points de victoire. Commence à capter le truc. À 13 à 14, il a fait une destination de plus. On a la double verte ici qui nous permet de gagner immédiatement un bracelet, hein, recrue. Et de nous rajouter un point de victoire ici. Un bracelet. Non, si on joue la jaune, on récupère une jaune. Et bon, en vrai, je voudrais de. Ah, oh, je vais jouer la jaune quand même. On va récupérer. Il faudrait violette. On n'a pas violet. Donc on va récupérer la jaune gratuitement. On a toujours pas 3 points de retard là. Compliqué. Compliqué, compliqué. Alors, toujours pas de violette. On peut faire la double verte, au pire on va faire la double verte. On a encore des vertes à jouer au pire. Un bracelet, on fait 2 points. On va peut-être le faire en commerce. Pour un bracelet, on fait 2 points de victoire. C'est pas si mal. Ah, mais il avance encore. Hein. Il avance, il avance, il avance. Et cette piste-là, c'est quoi? J'avance plus trop sur cette piste. Là, j'ai compris, c'est les points de victoire, mais celle-là, je sais pas trop laquelle c'est. Lui, il avance vachement sur celle-là.
Qu'est-ce qui fait qu'il avance là-dessus? Toujours pas de carte violette. En vert, on récupère une rouge. Celle-là gratuitement. On a deux recrues, on va pouvoir les dépenser. Voilà, je prends l'eau. Violemment. 26 à 16. Je sais pas s'il y a une histoire de moteur, mais là, il me... Je vois pas de cartes violettes. Elles sont où, ces cartes violettes? Il en a, lui, du violet? Ouais, il les a toutes prises, les violettes. Espèce de vilain. Double bleu, on peut pas. Même si, en vrai, il me dit que je peux faire ça, mais je sais pas pourquoi. Comment je peux les faire? Payer 5 recrues. 1, 2, 3, 4... Je la paye où, la cinquième? On va payer les 4 cartes sélectionnées et une recrue. Ah, ok, on peut compenser en recrue. D'exploration. Mais j'ai pas l'impression que ça fasse des points de victoire en fin de partie, ça. Non? Un de réputation. Ah, la réputation, c'est ici. Essayer de gagner de la réputation un petit peu. Ah, il y a une violette. Comme un dingue. Oh là là. Il a que 3 destinations et maintenant j'ai l'impression qu'il empile les cartes. On va essayer de remonter, on va prendre celle-là. Celle-là, elle est gratuite. On prend. On a gagné un point de victoire à chaque fois qu'on arrive à un certain seuil. 17 à 33, c'est pas ouf. Hein. Je suis en train de prendre un x2 dans la tronche quand même. 6-12, c'est quoi ça? Carte dans la zone d'équipage. Ok, il y a 12 cartes, j'en ai que 6. On n'a pas de bracelet, il faudrait générer un peu de bracelet quand même. Et là, on n'en a pas du bracelet. On va récupérer celle-là. Ah, il s'est passé un truc à un moment donné, là, il est en train d'empiler des cartes. Alors, ça me rappelle Adara, pour le coup, on empile des cartes. Et là, il dépense quand même pour aller faire une destination de plus. C'est la dernière manche, waouh. J'ai tellement pris l'eau. Mais tellement. Je vais faire ça. Je vais récupérer ça. On peut commercer. Pour 2 points. Ok, victoire de Piu Piu 12 qui nous a laté 41-23. Bon. Donc les cartes font pas spécialement de points, ça sert juste à dépenser les bracelets pour récupérer les récompenses. Bracelet. Il a pas tellement fait de points là-dessus en plus. Comment il a fait tous ses points lui? Il y a un moment donné, on était à 2-3 points d'écart et puis pouf, il a pris l'avance. Les points de victoire, on les gagne que ici, on est d'accord. Hein. Point de victoire, c'est sur ces icônes-là. Les recrues servent juste à ajuster pour pouvoir prendre les cartes à côté ou pour pouvoir faire ça. Et la jauge ici permet de monter la réputation. Donc là, il doit en avoir quand même 1, 2, 3, 4, plus ceux qu'il a défaussé. Ok. Bon, en tout cas, 2, c'est assez rapide. C'est par manche. Ok, ça c'est du scoring par manche, et c'est ça, il est monté là, donc il scorait 3 points de victoire par manche, donc à chaque fois que c'était à lui de jouer, il prenait 3 points. Et ouais, c'est pour ça. Ok, c'est fort. Bah du coup, cette jauge est très très forte, alors ça, faut surveiller ça de près. Gain immédiat, 6 points de victoire. Ah, il y a quand même des destinations qui font des points de victoire. Ok. Point de victoire, un bracelet, ok. Deux de réputation. Oh, ça a l'air sympa ça quand même.
Ça a l'air sympa. Très bien, très bien, très bien. Avec bon, après il y avait le Shawari, mais je crois que je vais pas le lancer maintenant, je lancerai demain le Shawari, c'est pas grave. Aujourd'hui on a eu un petit peu de quelques soucis, ça marchait pas très 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 bien. Et comme ça, c'est les aléas. Les aléas du direct, comme dirait l'autre. Hop. Hop, voilà. On va aller faire ça. On va se faire un raid sur la zone de jeu de Gaelou et Chico. Ça me semble être très très bien. Hop. Moi je vais m'arrêter là. Et autant continuer sur du jeu de société. Sur BGA. Hop. Allez, je vous envoie là-bas. La zone de jeu de Gaelou et Chico. Merci d'avoir été là avec moi cet après-midi. Merci au nouveau follow Dolmore Anarcotica, si je le prononce bien. Bonne fin de journée à vous. Et puis on se retrouve pas ce soir, parce que ce soir je suis chez des amis pour un vrai jeu en physique. Et chez Didou pour un Tricarion. Donc demain matin pour du Diablo 4, demain après-midi pour du BGA et peut-être demain soir pour une board game night en fonction. Il y a du monde ou pas. Je vous fais des bisous et je vous dis à demain. Ciao, ciao, bonne fin de journée.